donnez-la, donnez-lui et donnez-la. Thank you.
Thank you.
cérémonie au sacrement lui-même, vous entendrez un certain nombre de propos. Je vous invite à être attentif au pesant de chacun des mots qui sortira de ces textes. Par exemple, vous entendrez de vivre avec toi, de te garder tout seul, de vivre avec toi dans la pauvreté, de vivre avec toi dans le bonheur comme dans le dénouement. Chaque mot a son pesant. Ça, c'est le devoir d'Abel.
Ça, c'est le devoir de Liv. Et quand Liv et Abel auront réussi à observer le pesant de chacun de mots, alors Abel devient Liv et Liv devient Abel. Sachez qu'il est obligatoire pour tout chrétien de faire célébrer l'union du couple à l'Église après avoir contracté le mariage coutumier monogamique et civil. Toute entreprise humaine dont le fondement ne repose pas sur la parole de Dieu est semblable à une maison bâtie sur du sable. Le serment que vous allez prêter ce jour est d'un intérêt capital pour garantir votre foyer contre vents et marées. Ceci étant, je vous demande s'il y a parmi vous deux un motif qui puisse m'empêcher de vous unir devant Dieu et les hommes. Je m'adresse d'abord à mon frère Abel. Est-ce que parmi vous deux, selon toi, il y a un motif qui puisse faire en sorte que ce mariage n'est pas lieu? S'il y en a, vous dites oui. S'il n'y en a pas, vous dites aucun. Aucun. La même question posée à Maman Liv. S'il y en a un, vous dites oui, j'en ai un. Si je n'en ai pas, vous dites aucun. Aucun. Êtes-vous venu librement contracter ce sacrement? Si c'est non, vous dites non, je ne suis pas venu librement, j'étais forcé par mes parents, on s'arrête là. Et si vous êtes venu librement, vous dites simplement que oui. Papa Abel, s'il vous plaît. Maman Liv. Oui. Moi, Papa Abel, déclare en vérité ce jour que je n'ai aucun motif pour m'empêcher de venir avec toi, mon Olivier Poucoulet, dans les liens sacrés du mariage. Moi, Maman Liv, déclare en vérité ce jour que je n'ai aucun motif pour m'empêcher de venir avec toi, Papa Abel Kivoua, dans les liens sacrés du mariage. Papa Abel, consentez-vous de prendre Maman Liv en mariage, de vivre avec elle selon la volonté de Dieu, de ne pas la négliger, de la protéger et lui apporter secours, dans la souffrance comme dans le bonheur, dans l'abondance ou la pauvreté, de la respecter, de la garder toute seule durant toute votre vie. Vous conformez-vous à ces recommandations? Oui, je l'accepte. Maman Liv, consentez-vous de prendre Papa Abel en mariage, de vivre avec lui selon la volonté du Seigneur, de ne pas le négliger, de le protéger et lui apporter secours au bonheur, dans l'abondance ou la pauvreté, de le respecter, de le garder tout seul avec amour et fidélité durant toute votre vie. Acceptez-vous de vous conformer à ces recommandations?
Je prends l'assemblée ici présente, écrit fortement, et déclare que moi, Papa Abel Kivua, accepte de prendre maman Liv Yakutopoulou-Adio comme épouse dans les liens sacrés du mariage à dater de ce jour, dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'assurerai toute ma protection jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu, ceci est mon serment. Je prends l'assemblée ici présente, écrite en témoin, et déclare que moi, maman, Livia Kivua-Adio, accepte de prendre papa Abel Kivua comme époux dans les liens sacrés du mariage à dater de ce jour. Dans l'abondance comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, je t'aimerai toujours comme moi-même, je t'assurerai toute ma protection, jusqu'à ce que la mort ne sépare, selon la sainte volonté de Dieu, ceci est mon serment. Maman Liv, je coupe l'audio. Je te remets cette alliance en guise de symbole que je te reçois pour épouse. Maman Liv. Papa Abel Kivua, je te remets cette alliance en guise de symbole que je te reçois pour épouse. Misez-nous. Et maman y a beaucoup de livres. Viennent de signer par les lieux sacrés du mariage conformément aux recommandations de l'Éternel Dieu. Je déclare par conséquent qu'ils deviennent époux et épouses selon le rite chrétien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu fasse lever sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions. Dieu Tout-Puissant, qui ne change pas d'éternité à l'éternité, qui a été témoin aujourd'hui de l'union dans le lieu sacré du mariage de ce couple, donne-leur la force, accorde-leur la bénédiction afin qu'ils puissent respecter tes commandements et tes prescriptions. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans Christ notre Seigneur, et son envoyé spécial, Papa Simon Kiban. Et ta 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 Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient parmi vous pour les siècles de siècles. Amen.
Nous avons eu notre devoir de vous élever avec nos difficultés, que ce soit d'ordre administratif, Nikada, Basi, Bakayou, Basi, Metobokoli quand même. Et c'est une fierté que les lots de côté de l'Emsa, un produit fini, fabriqué et rond de Panis. Tous les deux comme vous êtes là. Bokoli na ba mentalité oui ya bisoti. Bisoti le rona bitu na biso, soki na kayé pa collègue ya Mundele, na saka na camarade ya Mundele, na bandi ko brandi ya ngolo kwa li kamunene. Mais c'est pas le cas chez vous. Chez vous, koyé ko la ko sala devoir na moi na Mundele, ezali normal parce que vous êtes né là-dedans. Bisotang mususu maman quoi qu'elle ne colombe la directeur asako banga rien que déjà parce qu'il y a des gars qui ont français peut n'a pas bunda bunda n'a pas coca n'a pas malamoté abani kozonga sima ce n'est pas le cas chez vous donc bino bozali bana y a tango moderne vous avez aussi un devoir énorme non seulement de bien tenir vos vies de mariés mais également d'honorer vos parents. Demain, les critiques viendront sur vous à travers vos parents. Les gens vont vous juger selon l'éducation que vous venez de recevoir de vos parents. Là est le contrat. Je vous le remets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît. Thank you.
Ah.
des scouts de France, non, 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 d'Europe, s'il vous plaît. Intendant, à moi. Équipe, place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à leurs éminences, chefs spirituels de l'Église Primordiste, à la descendance de Parasimus de Marie, aux membres des corps pastoraux et ecclésiastiques, aux familles des époux, aux honorables et des invités, nous vous saluons respectueusement. Nous, les scouts primordistes d'Europe et d'ailleurs, bien plus qu'un étendard, bien plus que nos symboles, sommes venus de part et d'autre du monde. Nous sommes un mouvement, un concept, une famille. Cette famille a été imaginée, façonnée, conçue et créée par notre guide suprême, son éminence, Papa Daniel Lamantima, afin de promouvoir le primordialisme au sein des plus petits, de transmettre les plus nobles valeurs à sa jeunesse, discipline, sagesse, écoute, travail et piété, et d'offrir à celle-ci, telle que lui-même le rappelait, une porte d'entrée au sein de son Église. Une porte d'entrée que chef Daniel Boubouloise de l'Église a choisi d'emprunter, comme l'avait prédestiné son éminence à la Daniel Abouzima, et ce avant même qu'elle ait eu le jour. C'est à l'âge de 4 ans que chef Daniel se décide réellement à passer cette porte. En effet, 23 ans se sont écoulés depuis qu'elle a porté son premier foulard. 23 longues années de loyauté, de dévotion, d'œuvre et d'amour au service de son mouvement et de son Église. Vous comprendrez son émotion et la nôtre. Mais pour reprendre son parcours depuis le commencement, c'est un lundi 16 septembre de l'année 1996 à Lévis-sur-Orge que notre chef-tête pousse son premier cri. Deuxième née de Papa Yakubu Kouadio-Pierre et de Maman Toyez Anitamawete, la petite Liv est une enfant brillante et attachante, membre des Louveteaux, puis de la troupe de Paris, où elle se voit confier le rôle de chef-tête de patrouille, Coq. Au fil des années, la jeune femme qu'elle devient ne perd aucune des qualités précitées. En 2014, elle obtient avec succès son baccalauréat littéraire au lycée du Parc des Loges. Ambitieuse et déterminée à faire la fierté de ses parents, notre chef-tête poursuit son parcours académique et rafle tout sur son passage. En 2017, la voilà licenciée en information et communication à l'Université de la Sorbonne Nouvelle de Paris. Et 3 ans plus tard, elle obtient son master en stratégie digitale et e-business. Diplômée d'un bac plus simple, sous le regard fier et admiratif de sa famille qui grandit et l'œil bienveillant de nos grands chefs, elle se transforme en une guidée rigoureuse, intelligente, consciencieuse et très travailleuse. Chef Elie, totémisée depuis caméléon dynamique, est une femme, comme son totem le laisse penser, aux multiples facettes. Son parcours exemplaire est un modèle inspirant, tant pour ses consoeurs que pour ses anciens patrouillards. Tous s'accorderaient à dire que c'était une chef de patrouille qui inspirait la bravoure, le sens du devoir, la rigueur, le rire, la joie et la bonne humeur. Attention toutefois à ne pas trop la contrarier, un caméléon peut rapidement changer de couleur. Mais personne ne s'y risquait, du moins jamais deux fois de suite. Notre chef d'un caméléon dynamique, 22 ans durant, nous a tout donné et n'a plus rien à prouver. Désormais sans prête à prendre son envol, c'est à vos côtés, Papa Abel, que sa nouvelle vie commence. Aujourd'hui est le premier volet d'un voyage infini, et c'est le cœur serré que nous la laissons s'en aller vers ses aventures nouvelles. Mais le scoutisme ne connaît ni frontières, ni limites. Chef N. Caméléon, votre famille ici présente est venue des quatre coins du monde pour vous célébrer, pour vous honorer et vous remercier de tout ce que vous avez accompli, bien que les livres soient loin d'être terminés. Le 19 août 2018, Chef N
vous avez prêté serment. Vous juriez fidélité à Papa Simon Kimbangu. Vous promettiez sur votre honneur ne jamais abandonner l'étoile que Chef Tigre vous a confiée. Sachez, peu importe où vous vous trouvez, ne jamais l'oublier. Demeurez-lui fidèle. Œuvrez pour lui contre vents et marées. Ne rendez point votre foulard. Et continuez à porter son nom tel que vous l'avez fait jusqu'ici et sans relâche. Chef M, pour ces années de souvenirs, de rires, de larmes, de répétitions, d'événements, d'animations, d'apprentissage, de réunions et de brunch en tout genre, de transmissions et d'inoubliables moments de joie, nous tous, votre famille, nous vous disons merci. Puisse la fleur de lys qui nous unit ne jamais faner et pour toujours étincer. Ceci n'est pas un au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nalomba Mopeta, to commune mongo oyo to kola ki sakabile mbo to ba symbole ya na biso teng to pesa la ga yango to se certaine kadeni la photo que vous voyez en face de vous symbolise notre fidélité, notre symbole au sein de l'église qui m'a dit. Cher Tim Féroz, l'initiateur de ce mouvement, de lui déposer sur une table afin qu'il éclaire la lumière là où il y a l'obscurité. Nous vous remettons ceci. Vous aurez comme difficulté dans votre foyer, la Bible est notre est votre première réponse. Car tout ce que vous allez chercher, ça est là dedans. Kawa motonyoso oyo ayebi azala scout to azali scout eska bobandi a passa promesse atelema poto renouvelé cérémonie ya promesse na biso na chef tenu chana promesse
kombwa tata mwana pe moni mo sang esengwe za na motema papa tati mo esengwe za na motema papa Pierre yanga yelegi skuto ye pambate ye mwana yo chefen libre to bengi chefen caméléon mwana yo tozwi lokola babengaka biso bayekotina biso na crèche mubulu na ndako osote na bakiti chef de part zwaye na bokoli mwana mwana tangi ba classe mwana silisi mwana bali skutoye esengo nde ya motambwisi nde ya mwana sitosololaki na biso mingi na chefteni caméléon tosololaki mingi ya koloba ezateza kaka formalité po ete naleka liboso kasi na miso bato nde na kozonga pa ya papa Bel papa biso tolobaka skut eza moko mama ya azali kokende na Allemagne soki alobi alembi yo telemisa ye po ete mosala oyo ekufa te nakanisa pasi na biso ezali soki yalobi na tiki na lembi na nga yo po lobi ebanda na yo yo ozali wana mpona opesa makasi po ete likambo ekende liboso toyokani papa merci toselisi boye na komba tata mwana mpe molimo santo amen. Oh mabanza ayile mama mabanza mayokile o Why not?
Thank you.
Thank you.
l'Europe, la famille de Maman Liv, qui revient de très loin, la France et toute l'Europe, leur demandons de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. À côté de ces deux familles, nous avons donc les amis et connaissances, les collègues de travail de Papa Abel, les collègues de travail de Maman Liv, les amis d'enfance qui sont nés avec Maman Liv ici en France, qui sont nés avec Papa Abel là-bas, Oulm. Nous leur demandons tous, amis et connaissances, collègues de travail, de vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. Faites-y, s'il vous plaît, quelque chose de chaud, de chaleureux. Thank you.
Remercions l'exhortation de notre chef spirituel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Oh.
les poitrines les plus amoureuses, poitrines qui seront restées dans l'histoire, cristallisées tout autour de l'autable de l'histoire. Et nous écrivons le cadeau. Un très beau portrait.